notre invité cet après-midi. Quelques heures avant la grande mobilisation. Évidemment, j'ai parlé avec André Michel, probablement qui pourrait intervenir au téléphone. Mais Yuri La Tortue est en studio. Sénateur, bonsoir et bienvenue à ce coup. Bonsoir Gary, bonsoir Capane, bonsoir Val, bonsoir Marco de Gaulle. Et nous saluer tout auditeur, auditrice, grande émission ça, émission Scoop FM, Haïti Débat. Nous saluer tout le monde capitaine de nous en Haïti. Kankou, l'autre bout de l'eau. Sénateur, directement, on allait dans l'interview direct parce que nous avons trop de temps pour nous perdu là, parce que tant compté et pour PIA, et pour Jovenel, et pour l'opposition. Lundi pour PIA, et pour l'avenir PIA, tout. L'appel du président de la République, formation de gouvernement d'Union nationale. Qui vient nous mener à l'opposition? Nous analyser appel. Merci Gary. Dans l'analyse que nous avons fait de discours président, tu as parlé de un pile bagaille, bon, il respecte quand même de population à 2h du matin. Mais pour nous arriver dans l'appel président, le 22 février, président Jovenel Moïse est écrit comme coordonnateur Haïti en action. Il était dit en nous former un gouvernement, en nous réunir pour nous former un gouvernement de consensus ou d'union nationale. Nous te dit non. Faut nous faire un dialogue. Dernier acte dialogue là, le gouvernement. Parce que le problème qu'il a est tellement profond, est tellement et comme si et délicat que nous pas qu'à faire un gouvernement et puis nous laguer mon ça yo. Pour y aller attaquer le problème, ça, ou sans que nous bâchions nos solutions ensemble. Nous écrit le président le 27 février, le président va jamais répondre nous. Il forme le gouvernement la paix, il est venu le pas passé, il forme le gouvernement fétuliable. Donc, je dis à le président, là, c'est appel ça, et c'est peut-être ça me rappeler Mounio, il a été écrit là, il a été écrit secteur démocratique, il a été écrit Lavalas, il a été écrit Petite Dessalines, il a été écrit toute partie. Il y a ça qui ne peut pas répondre, mais la majorité te dit, président, soit parler, on y a, faut parler non véritable dialogue. 9 mois après, où un président retourné, il parlait au gouvernement d'urgence nationale ou bien salle de dire. Mais parce que le président là, il n'est pas sérieux. Parce que le président connaît que je dis à sa gueule là, n'importe qui est soumis là. N'importe qui est soumis. Quel que soit mon omité là. Et Mwaldo, al pi loin, sauf une élection sans que pas de dialogue, pas de des changements qui fait au niveau constitution, quel n'est pas le monde qui vient président. Il y a même problème. Donc, ce que Marco disait. Puisque nous ne cherchons pas un job, nous disons président, non. Il faut que nous ayons un dialogue, nous ayons un temps sur le point de vue économique, politique. Et tout le monde connaît. Et puis le gouvernement, il va l'appliquer. Jusque-là, de l'analyse, on ne peut pas vous qualifier d'apatride. Oui. Ouais. Donc, à partir de ce moment, le président vient dire, et je sais, moi, le président, son équipe fait le. Mais comment le président Jovenel lié? Ouais, le matin, on se parle de un monde qui est président. Le président a regardé est-ce qu'il y a 2-3 camionnettes dans l'arrière pour le dire, il a baissé, et puis pour le faire affaire lui-même. Son équipe fait le. Son président qui l'a arrivé, qui dit, bal fait le, dans le pays, parce que l'a regardé pour qu'il le lui-même, il a fait un gouvernement. Les droits tente, vous le dites, deuxième lundi janvier, eh bien, comment va le mettre au gouvernement moi-même? Parce que la fait l'heure, la PC est bon sur le temps. Alors que, Gary, président, qu'on a clair, puis gros l'ennemi président là, c'est pas même question de monde qui n'a la rue. C'est l'économie. C'est l'économie. Président Gayet, président pas entré quoi? Et pourtant, ils ont 2 milliards de gouttes pour le bail pour le gaz là. Presque chaque jour. Oui. Donc ça veut dire que le président connaît le rivon côté et que dans le pays, il a éclaté dans le monde. Il connaît l'éclaté, leader qui ne doit pas en position qui est la population. Encore. Même si il t'a souffert dialogue. Exactement. Donc, le président, moi-même, moi pensé, son est très méchant. Pendant la fête, il n'est pas rentré comme dans les sacs pour te rentrer.
n'est pas rentré. Dans le mois de septembre, on rentre qu'on prévoit, n'est pas rentré. L'IGN pour le retirer la donne pour gaz. Li pa gen crédibilité pour le monter gaz là. Li pa ka agir sous gaz là. Et gaz là, c'est on impondérable. Mm-hmm. Parce que l'offre fait deux jours pas gen gaz ou ça arrive. Mais international là qui dit la président, le babalcop. Li babalcop. Oui, c'est un coup terrible. Donc, côté président pour aller sortir là-dedans. Le président a parlé de questions, de dialogue, et puis il a pris un monde, il a changé, si pour changer ministre finance, d'ailleurs, toutes les questions sont illégales. On est qui démissionne, on va nommer le monde. Donc on va besoin rentrer là-dedans. Mais, moi, je pense que le président connaît pas sincère dans le discours. Deuxièmement, le président n'a pas qu'à la majorité, je veux dire, il n'est le président ni de la majorité ni de la minorité. L'Igon majorité, le font tel discours comme ça, il va même le président Sénat qui t'a bataille. Pour lui, il va faire séance. C'est dans la radio, le discours avec tout le monde. Mm-hmm. Donc ça veut dire que c'est un homme froid qui programmé et son objectif, c'est pas de gérer le pays, son objectif, c'est de rester au pouvoir, quel que soit le cas. Oui, de finir son mandat. Exactement. Et c'est ça qui pourra le faire explosion. Parce que si le président regarde bien de situation, leader qui lance mot d'audio, à partir d'un certain moment, il n'y a pas de contrôle de toute bagaille. Oui, les mounis sont dans la rue. Oui, il n'y a pas de contrôle de toute bagaille. Et ça arrive, capacité pouvoir d'achat tellement baissée, longtemps l'autre est bon, 1000 gouttes, ou des ballons possibilités peut-être, pour le manger pour un jour, mais qu'on n'y a pas gagné. Et capacité, tout le monde baissé. Ça fait l'autre jour qu'on est qui dit on va Gary, on va extrêmement important. Les îles ont intégré trois classes. Malheureuse, classe moyenne, bourgeois. Qu'on est avec malheureuse améliorée, et puis classe moyenne. Oui, en référence au Cabri. Au Cabri. Ça veut dire que qu'on y a bagarre là, c'est extrêmement grave. Et économie, pas de politique là-dedans. Économie, c'est soit qu'on paye professeur ou on va pas payer. Économie, c'est soit arriver ou rentrer à ces comptes qui ont fait au Kembe Goud là, ou bien le dégénérer. Parce que même 94 au Kembe là, son forme, il était ici, Kembe, mais là, il va le dégénérer. Oui, oui. Donc, ça veut dire que, moi, pense que le président, vraiment, dans ce discours là, il n'est pas honnête à tête. Il arrive dans une situation, il a besoin de faire le. Et son président, ou est qui de plus en plus isolé avec Tiklan. Ou bien l'impression, même bon, PHTK, il y a certains problèmes qui posent. Bon côté l'opposition qui est pour l'heure. Et le président, il y a un pliel avec un support, entre guillemets, de l'international. Là. Donc, moi, je pense. Comme il y a beaucoup de deal. Badzel, oui, il y a beaucoup de deal. Allez, il pense qu'il y a aucun bel. Même il y a l'impression, il y a suivi le président égaré. La situation n'est pas améliorée parce que, puis, il faut que les gens qui parlent de l'école, yo, même si porte l'école là ouvert, on va aller. Il va gagner moyen tout. Il va gagner moyen. Deuxièmement, on arrive dans une situation côté que l'homme savait me dédou tout à l'heure mal les amis. Il y a des gens qui pour commander. C'est sur ça qu'il fait bénéfice, mais il pas qu'à faire commande qu'on y a. Donc il pas gagne bénéfice. Et si monde qui gagne business là pas gagne bénéfice, il pas qu'à payer employé. Donc on va arriver dans une situation moi-même moi dit déclapement et c'est peut-être ça. Il est extrêmement important que moi-même moi été parlé d'un départ ordonné. Parce que, puis on moun pense que il y a une pièce moun qui maîtrise la rue. La rue a réagi parce que moun yo. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique. Il y a un problème. Il n'y a pas de grève qui lance, mais il est vide. Il est vide. Policier qui l'a, il est fatigué. Parce que moi-même, je m'habitue des militaires policiers. Ou alors que mon radio. On rate avec toute base au bot na pio, l'or il va après-midi retirer, sous fait 5 jours comme ça, l'or remettez bot là encore, il faut mal quand même. Oui. Rade la souvent là, et n'est-ce pas que vous relève. Donc, ou une situation que je pense que faut éviter et faut nous arriver dans le dialogue pour un départ ordonné. Parce que le président, faut le rendre compte que, et politiquement, et économiquement, il va arrêter. Sinon, éclatement que tout le monde peut à la privée. Et là, le rivière, nous ne devons pas ordonner un départ. Nous ne devons pas le savoir. C'est imposé. La population imposée départ. L'on l'impose. Parce que, Gary, on regarde la géographie et Port-au-Prince, communion.
seule commune qui était capable plus ou moins fonctionnelle, c'est Pétionville. Mais qu'on a tous les yeux sont braqués sur Pétionville. Maintenant, on est capable dit on a la messe ses pieds. Ça veut dire que moun yo commencé ouais centre vital économie yo fait attaquer yo. Et là yo fait yo économie li pa gen secret, là il vous pas gen croissance ou pas gen bénéfice, eh bien on l'autre bagaille. Et jodia économie nous gagne, c'est pas une économie planifiée comme économie communiste, c'est une économie capitaliste dont l'État vive de taxes. Dans certains pays, il y a une économie planifiée, l'État vive, l'État vient de moyens de production dans le tout, donc il y a kembe. Mais l'État là, il vive de taxes qui doivent rentrer sous Mounio et Mounio pas rentrer. Comment vous parlez de départ ordonné ou planifié? Qu'adviendrait-il si une fois de la communauté internationale, une fois du secteur privé, la société civile, de la presse organisée, l'opposition démocratique, etc., chita dans l'organisation du départ, et puis nous chita ensemble, comme c'est un menteur impénitent, ça a toujours bluffé, et puis chita ensemble, nous dit bon, écoutez, hein, dans l'organisation du départ, le Premier ministre sortirait de l'opposition démocratique, n'a pas monté un gouvernement okay, de l'opposition avec des mots importants et autres, et puis n'a pas quitté M. Allé pour ta au moins arriver dans un an et demi avant la fin de son mandat et déclarer les élections présidentielles avec une entité capable de diriger. C'est-à-dire, au lieu d'arriver à l'éclatement, parce que l'Igène doit tomber sous la corde raide jusqu'à ce qu'il y ait des jouquelles au Gonza. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas lieu, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour qu'il y ait un chita attendé de façon à ce que nous arrivions dans des départ ordonné? Parce qu'en fait, il y a eu, bon, comme on a eu l'expérience à plusieurs côtés, dans plusieurs pays sur la terre déjà, il y a des anticipations qui faites, parce que quand on parle de NAP, négocier, mettre sous table, la nouvelle fois gouvernement d'union nationale, avait dit du gouvernement d'union nationale, la gouvernement fait et vous pas la donne. Vous ne pas la donne tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité de voir, de peser au milligramme avec évidemment la présence de tous les secteurs, côté NAPSI, des documents fermes cap là, de façon à ce qu'on construit. Mais maintenant, ça que fait moi, mes terres internationales là, parce que je connais, il y a des mondes qui gagnent des hostilités à crimonie par rapport à l'international. Dans ce contexte, on ne peut pas construire. On ne peut pas arriver à la paix réelle, la paix navante, pour reprendre un petit peu Jean-Baptiste Aristide, si nous pas gagnons aide de l'international, parce que quelle que soit la forme, nous pas pouvoir. Si l'international n'a pas bon moyen, ça veut dire puis devant, et après là-bas, Youri, à Bananel, à bas et André Michel. Donc, il faut éviter catastrophe là. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, d'intégrer la communauté internationale, et les élites économiques, on avait du progressif, n'est-ce pas, dans cette dynamique de départ et planifié de Jovenel Moïse. Gardez-moi parce que si au mois de février, nous avons parlé de dialogue, l'ITECA mené nous, nos ordonnations, j'en dis là. Moi, je pense à partir de jeudi, c'est éviter que ou bien des foules qui sont assez nombreuses, qui prennent la rue, et qui sont arrivées, côté que, y a rentré la Kaimoun, y a rentré dans la résidence président, et que qu'on y a au bon bagaille désordonné. C'est pour éviter ça que nous disons départ ordonné. Mais ce n'est pas au départ ordonné que ou qu'a organisé la présidence en longtemps. Non. Moi, pas ce côté que le rivière, le président est conscient de son échec. Politique, président Bakary, aucun monde vient chita avec elle. Économique, gon déficit de confiance et gon corruption qui ronge président. Donc, échec économique politique là, mène à ce que social là, les vins désagrégés. Moi, pense que président, eh bien, si, comme il a dit, nous sacrifice, tout sacrifice est possible pour ce pays, moi, pense que c'est chita pour que moun kap remplace président, eh bien, gon bagay qui fait. Bon bagaille qui dit entre les secteurs que le président lui-même là dit qu'on est que le voilé et que c'est pas en international que nous mettons qui mettons monde et que tout le monde prend nouvelle là l'ont réveillé.
Moi, je pense que le président encore a fait ça. Parce que l'on président arrêté, président a compte fort militairement, eh bien, il a le pouvoir, il a des assises institutionnelles, il a gagné un cadre ou classe d'hommes qui d'elle, il a gagné un frange important des institutions, tout. Vital qui avait, il a gagné un frange important. Maduro. Le président Jovenel Larrier, il a dit qu'il a une majorité. Monsieur Bouchit, allez l'autre bois, rencontrer le secrétaire d'État aux affaires de l'Amérique latine. Il a dit, monsieur, vous avez une majorité et vous ne pouvez pas voter la loi électorale. Mais ça fait que j'ai obligé à m'amoter. Donc, il a dit, en fin de compte, vous n'avez pas de majorité. Alors, il a dit ça à l'autre bois. Le président connaît que, il n'y a pas de majorité. Parce que, l'autre majorité, il faut réunir avec elle pour gagner, pour qu'elle pour le couer dans le programme. Bye, campagne, va. Mettre nous construit dans l'après Jovenel, c'est-à-dire nous pas accepter comme si tout le monde qui est magasin a boulé, tout le monde qui est abcasé, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un d'opposition, n'est-ce pas constructive, d'opposition réelle qui n'est-ce pas condamne des actes de violence, comme même parce que la police a cabanou gaz, ok, ou bien ils ont nég lors de manifestation, on passe des heures pour faire conforme et pour nous reprendre. Donc ça veut dire que nous avons une pièce monde à craser à faire monde. Seul bagage qui arrive, Gary, il faut nous comprendre. Et je pense que ma programme va comprendre. Bon, violence qui fait sur monde tout. Violence, moi je te dis l'autre jour, Gary, comment on cavle pour nous lever le matin, bah, on a le gaz qui est l'hôpital général. Et puis, il y a débloqué 358 000 dollars américains pour le président des Nations Unies. Le président va aller, M. Bouchit débloqué 35 000 dollars en plus. Non, mais comme la tournée, c'est tout les dégâts qui sont allés à non, sous 358 000 dollars, nest tu pas que tout est bien, perdu, tu es bien. Mais tu es allé déjà. Non, ça dit que sous tu es allé déjà, tu es là, advance, pas un problème. Oui, mais si vous êtes en Haïti, si vous Haïti, ou pas allé, pas un qui remet quoi. Il a débloqué 35 000 dollars américains en plus. Et ceci, le mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui à jeudi, hier. Ça veut dire que, nous sommes violents, la fait que Kob, un petit pays comme ça, qui gagne des moun la dan, qui va jeter notre gaz, il y a gaspillé. Et je pense que, jodi a, ma kousso diyon bagay, peuple a gagné de le, li vin comprendre que, un bégé de le son caoutchouc pour le boule, puis autant d'il. Parce que, violence légitime. Gon question, gon côté le rivé, li parle, li fait manifestation, li dit tout bagay, li mette représentant, bon, gen problème bi mal. Donc, moi, je pense que gagner en violence qui fait souper. Et le président dit comme ça que, eh bien, il n'est pas violent, mes amis. Nous gardons, nous, que nous connaissons connexion qui existait entre chef de gang, c'est vrai, et certains mondes dans le Parlement, mais dans le pouvoir exécutif, tout. Nous connaissons. Après, vous l'évoquez. Après, vous obligé à révoquer. Et le président révoquer Mounio, c'est là le senti que le coup de l'en bas, l'ambacou, il a gagné. Il livre. Donc, ça veut dire que je dis à. Nous-mêmes, moi, quoi que, violence, là, son bagage, puis, mettez de côté, mais, gon, violence, yon fait population. Gary, l'orgade, ouais, moun yo, moun qui te beaucoup tout, qui te kon pari pour vêtir moun l'école, qu'on y a pas capable, non? Et moun ça, c'est pas l'ik piba. Une dernière question avant que je passe à Marco Yerval. Et je dois présenter des excuses à l'auditoire, et également à toi, Yuri. Pour question que nous allons poser. Parce qu'en fait, nous-mêmes, nous sommes médias très sérieux. Cependant, comme c'est une question à parler, nous-mêmes, si nous ne posons pas de questions, nous pensons qu'il y a plus de monde qui a pensé que son manquement grave, mais nous présenter excuses à l'auditoire et à vous-même personnellement, mais il faut nous poser une question. La question de matière fécale au Parlement. Qui sont qu'on est? Gary, l'heure moins arrivée dans le Parlement, il était environ 7 heures. Et comme d'habitude, moi j'étais rentré, alors moi j'étais dans la radio, qui était relève, et après moi j'étais rentré dans le bureau pour que moi t'allais préparer, puisque nous t'entendons, oui j'ai entendu, c'est moi qui t'ai pas parlé. C'est moi qui t'ai pas parlé sous question de décharge pour le ministre. Dans la séance. C'est moi qui pouvais prendre la parole sous terme là. Et ceci, dès au début. Et noter entendre que le premier ministre là, il faut quand même d'apprendre.
Parce que depuis le t'est rentré, ou t'es quand même 16 nègres qui levaient même. Donc, avant de rentrer, que moi-même, moi t'ai parlé. Donc, moi t'ai parlé document mieux. Et à un certain moment de la durée, moi t'ai dit que le gouvernement t'est arrivé. Et moi-même, moi t'ai besoin de vérifier et m'ta parlé dans le salon diplomatique. Là. Et là, arrivé vraiment, le ça, moi t'ai une vie qui crasé et m'ta prend odeur. Odeur désagréable. Et le ça, moi t'ai parlé avec certains sénateurs, mais tu as une accusation des deux côtés qui t'a fait sous la cour. Tu as une accusation. Alors, je t'ai dit c'est matière fécale, mais c'est odeur, ouais, ou pas ouais, matière fécale, ou t'es ouais, odeur. Et peu de temps après, l'un sorti l'autre bois pour me dire, monsieur, ça, monsieur, mais qui odeur, dans le couloir, on salue, on salue polyvalente. Et dans le couloir, côté poil, côté toilette, également, c'est même odeur à tes poils. Bon, des deux côtés, eh bien, sénateur dit eux-mêmes, yo pas connaît question ça. Yo pas connaît comment faire là et nous te dit justement faut yo vérifier qui ça qui va c'est là parce que politique quel que soit ça qui arrive dans politique mais ça pas la donne. Non, ça pas la donne et me penser que exemple ça c'est que tout au niveau de tout Sénat, c'est-à-dire que nous excusez-nous est-ce que on bagaille comme ça t'arriver. Est-ce que c'est sécurité pas de correct gen moun ki fèl? Est-ce que gen moun ki te vini pou krasel? Moi pas ka accuser personne, mais ceci est inacceptable. Ma coupe politique là pas fait comme ça. Bon, et bon monsieur pose deux ou trois petites questions sénateur la tortue. Et sous départ ordonné. Et Jean-Pierre est là quand même pour nous ici. Et il doit vraiment en tête nous que son départ ordonné pour qu'il fête. Mais qui j'en a commencé? Parce que si toujours il y a manifestation, si toujours il y a crasé brisé, si pas un couloir de négociation qui crée, comme le président dit, il ouvre bras, il est prêt pour dialogue, donc même départ ordonné, il faut gagner. On cellule de l'opposition qui prêt pour rencontrer le pour préparer. Sinon, nous craser briser chaque jour, nous avons bon le président a trouvé dans l'obligation pour l'aller. Et là, ça nous pas même de temps pour nous préparer rien. Et nous avons presque sûr que nous tous connaissons. Depuis nous avons préparé rien, nous connaissons qui est-ce qui a venu dire, mais qui ça a fait. Qui j'en a fait des pas, ça, j'en explique là. C'est ça. Alors. Bien content question Marco puisque Gary t'a parlé de ça. Moi pense si c'est et Jean Gary t'a parlé là les ça où t'es besoin véritable dialogue où t'es dit que ou a besoin premier ministre et que et de premier ministre là peut-être après filmer le président lui-même l'a démissionné. Non, départ ordonné c'est que nous-mêmes nous constater que politiquement, économiquement président n'est pas capable de gérer. Et nous-mêmes, ça nous voit, dit président, c'est que de côté par nous, c'est qu'il doit présenter sa démission. Mais démission que l'a présenté, ce n'est pas une démission côté que Jodia lui levé, lui baille démission. Parce que le Sahara, population qui attendait que justement président lui-même l'allait et il envahit la rue. Moi, je pensais que son bagage qui doit ordonner dans le sens que. Président après constat d'échec li, li chita pour que li assure le gagner un transfert de pouvoir qui fait. C'est un transfert de pouvoir qui doit être fait. Mais avec qui? Eh bien, transfert de pouvoir, c'est que immédiatement que président lui-même li dit le baba li, si on prend la décision de l'alternative, c'est un juge de la Cour de cassation, donc il y a un juge qui remplace le président. Oui, mais est-ce que faut pas qu'on moun ou qu'on groupe moun qui a le chita avec le président pour planifier ça. Oui, non, ça, à partir du moment qu'il accepte le principe. Il doit accepter d'abord qu'il a démissionné. Oui, le principe du départ. Dès qu'il accepte le principe du départ, il n'y a aucun problème. Il faut nous planifier. Parce que si nous ne planifions pas, disons, que le président arrêté, il est allé et puis il est juste quitté Kaeli. Parce que c'est n'importe qui qui arrive, la Kaeli.
et n'importe qui qui arrive dans le pays, tout si on pas planifié. Donc, moi, je pense que, premièrement, le président accepte le principe du départ, deuxièmement, de la démission, et puis on planifie le transfert de pouvoir. Mais on peut même dire, M. Sénateur Latorti, est-ce que nous, tout le monde des présidents démissionnaires, nous ne connaissons pas le pape démissionner? Bon, à moins que l'étranger a demandé le démissionner. Très bien. Et si c'est étranger qui a demandé le démissionner, c'est étranger qui a venu avec l'alternative là. Très bien. Qui ça nous a fait pour nous éviter ça? Parce que même pas, c'est que ça, même ça me dit là, le clé dans la tête nous toutes, même là, nous entre nous, le clé dans la tête nous toutes, que président, pas bleu, bon, bon matin, le démissionner, c'est pas blanc d'il démissionner. Et je sais, blanc d'il démissionner, Zel 4, pas blanc, c'est lui la qui est en poche, li, et c'est lui qui l'a pas appliqué. Marco, moi, pense que ça, il n'y a pas sorti de là. Chez moi, ça, c'est que pour moi, président, pas voulu démissionner. Sauf si blanc dit le démissionner. Et le blanc dit le démissionner, blanc la prend avantage là. Évidemment. Moi, je pense que c'est ça que nous voulons éviter. Et voulons éviter là, c'est arriver dans une situation pour que le président doit penser que, on prend l'exemple de Raoul Cédras, c'est pas simplement, et pas le blanc, simplement le blanc qui peut le protéger. Pas simplement le blanc qui peut le protéger. Parce que ce qui est arrivé, je prends l'exemple du général Raoul Cédras, qui l'a voilé. L'aller, c'est vrai qu'on a fait un contrat sur sa maison pendant une période de temps, mais après, où est-ce qu'il y a un problème dans le même cas, il parle là. Alors que je crois que si tu es un bagage entre haïtiens qui t'est assuré justement de ce que au moins le voilé bien le protéger, ben c'est qu'il était là. De façon, moi, t'es cadeau, et peut-être, m'a dit vitam aeternam, mais pour une plus longue durée. Parce que blanc, lui-même, là, qui intérêt le gagne, dès que l'assure, que Wale, que le met moun parle là, lui-même, à partir de ce moment, il n'y a pas aucun engagement à long terme avant encore, non? Alors que moi, pensé, entre haïtiens, il tape beaucoup mieux, et il tape au premier exemple. Il a pour premier exemple de ce que autre haïtien gon chita tande qui fait un constat d'échec qui fait et que gon planification de transfert de pouvoir même passer la mieux si ne pas faire faut nous accepter que blanc fait il a fait à sa façon et le cas dévié tout plan que nous gagnons de dialogue de procès de amendement constitutionnel et d'élection parce que blanc qui doit faire et puis liban l'autre mission hein? Les dures missions, elle fait élection rapide, oui. Évidemment. Et puis, nous n'avons pas de personne qui a contrôlé ça. C'est ça. Et puis, nous n'avons pas de temps de parler entre nous. Manco. Et là, ça, moi-même, mon recul que je fais, je regarde le pays. Dans ces conditions, manco, avec peut-être de cadre légal que nous gagnons, avec de 11 gens économie arrangée, avec peu d'initiatives ou qu'a gagné, c'est extrêmement difficile. Surtout avec, moi te ka di, dépérissement qui est là, il est extrêmement difficile pour mener le pays ça vraiment vers une croissance, que vous avez vers une création de richesse. À moins que qu'on y a, ou tu arrivé à une forte majorité, qui vraiment sont majorité, que vous avez changé en pile bagaille. Mais moi-même, je pense pour tout le monde qui t'a venu gérer le pays ça, il est bon pour un dialogue, pour accepter un minimum. Entre nous, qui sont pas comment pour nous gérer le pouvoir. Comment pour que l'on mon élu et que l'opposition et que mais sa pouvoir qu'a fait, mais sa opposition qu'a fait. Moi, je pense que un dialogue extrêmement important. Si on transition qui fait, quand on transition, nous avons gagné. Par exemple, général Avril Allé, et à tout vini, il fait élection. Et puis, ou gagne un président Aristide Galé, même si nous avons position on bail de 2 ans, nous avons fait rien à 2 ans, c'est l'élection qui fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on chite attendre qui est extrêmement important. Et il faut qu'un pile monde accepte faire il faut ça, pour pas courir rentrer dans le bagaille, que, après, on va le dire qu'on a un problème. Après, on va le dire qu'on a un problème. Parce que, on va garder répartition de pouvoir yo. Ou ap gade la question n'était simplement la question de formation de gouvernement. Président Jovenel rentre dans baka la fin pa ka sorti. C'est chaque grain sénateur, chaque grain député, il négocie avec eux pour le bon gouvernement.
ou pas jamais qu'à arriver si ou pas retourner dans la question des partis politiques, même si le gouvernement pas passé, plutôt retourner à parti politique. Et là où elle négocie à sénateur député, a autour le pouvoir pour le sortir dans la partie politique là. Il n'a pas besoin d'accord. Donc, guerre pile bagaille, moi pense qui est extrêmement important pour nous faire chiter attendre entre nous, qui va permettre parti politique restructuré, qui va permettre que l'économie ait l'autre orientation au Bali. Regardez Marco, épargne nationale que nous gagnons, qui est évalué environ, disons, 150 milliards de gouttes. Il faut nous garder dans l'épargne, comment nous allons faire crédit dans le pays, à vraiment. Pas à toute épargne que nous gagnons, que ce soit à travers la banque, que ce soit à travers l'autre institution, comment nous allons, en même temps, qu'un bon crédit pour grand entreprise, mais faciliter un bon crédit pour l'autre. C'est des bagailles pour nous attaquer, nous dialogue. Et si nous attaquons, un président va venir pour venir appliquer. Oui, mais qu'on a un fort dialogue là possible. Et non, il n'est pas possible pour moi si c'est blanc, mais dans le monde qui bat le calendrier, qui dit faire élection. Eh bien, c'est ça qui fait tout ça. Oui. Mais qu'on a, c'est nous pour rendre possible. Président prend trop tard. Mais il y a un proverbe qui dit mieux vaut tard que jamais. Moi, c'est un des présidents qui dit il va le faire un gouvernement d'union nationale. Dans des présidents qui dit pas bien ti passe-coute et tout le monde doit comprendre le dit pas bien ti passe-coute là ça veut dire donc dit que genon ligne litéyé non étolteyé le sauti et changement l'a fait là pour prouver exactement qu'il a sauti la dedans en général président yo pas jamais tant de raisons sinon que le pral tomber dans trou à même mais opposition tout toujours été sur la corde raide. Même le président fait mea culpa dans les derniers moments, l'opposition a toujours dit n'a pas là jusqu'à ce qu'il tout fait. Et puis, c'est laisse à tout blanc vini. Et depuis blanc vini, personne n'a pas un contrôle de ce qu'il a fait là. Qu'est-ce qui empêche que nous font cellule dans le niveau opposition, hein? Même les sont départ ordonné, nous chita, nous préparer là avec le président, nous dit mon cher, on fait 3 mois encore. On va faire 6 mois encore, mais ça n'a pas fait, mais ça n'a pas fait, mais ça n'a pas fait. Nous ne sommes pas en exil, mais on va rester là. Si pour ce pétrole caribé a fait, l'a fait. Si vous avez pour répondre à la question, on va répondre à la question. Même le président n'a pas arrivé à diriger le pays. Pour diriger, il m'a arrêté un haïtien à part entière. Pour que ça ne soit pas comme ça, nous chita, nous planifier, nous réfléchir, ça t'a permis que blanc pas insérer trop la donne. Mais là nous qu'on connaît président pas démissionner c'est pas blanc dit démissionner nous qu'on connaît pas démissionner et si n'a continuer écraser pays qui est ambassadeur ici qui a pour voyer militaire vienne protéger yo il a vienne pas ressortir sans yo et après ça nous connaît il a voyer dans grande caisse nous en force et force ça l'elle vini et lui qui a vienne contrôler toute bagaille. Moi même on pas ta vle rentrer dans logique que haïtien manque chromosome ou bien dit pas gain suffisamment de neurones qui ça qui empêcher que nous toutes nous chita nous dit en nous font cellule en nous entraînant en négociation avec président ou bien en nous préparer départ là avec en nous sauver pays une fois pour toutes parce que depuis 86 n'a pas tenté ça nous pas jamais essayer réussir pour qui ça qu'on dit à chaque fois nous aller dans même ligne. Très bien, moi comme moi c'est que question ou posée à l'est très profond et départ ordonné que nous-mêmes justement nous voulions son départ dès que nous acceptons le principe de départ là nous chita entre nous entre haïtiens pour nous planifier et si c'est des points qui doivent rentrer dans le départ là pour que vraiment c'est haïtiens qui gagnent même isolé pas aucun problème. Ouais, pas de problème ça parce que bonjour plutôt moi même moi passé au mois 2 mois que responsabilité n'a planifié un départ que me passé 2 jours dans violence que me pas dans violence que nous pas contrôler que ne pas maîtriser. Et alors je dois te dire que là je suis dans l'opposition mais moi même c'est ma position que nous beaucoup partager l'essentiel depuis hier où m'a parlé d'un départ ordonné parce que moi pensais que parce que si on monde aspirer pour que vous pensez que un pays ou qu'a rempli un rôle là-dedans ou qu'a rempli un rôle là-dedans il faut que vous toujours fait
tout sacrifice pour que, même si vous n'avez pas de pouvoir plus haut, dès que vous avez une fonction, il faut que vous faites tout sacrifice pour payer ça, il y a moins de pertes, il y a moins de casse qui fait là-dedans. Évidemment. Nous regrettons que dans la situation ça qui est arrivée, par exemple, moins garder des bagailles côté que des bagailles qui arrivaient au niveau, puisque moins des possibilités et garder budget, garder dépenses à mettre là-dedans. Ou bien pile bagaille que qu'on mettait en budget. Et puis ouais, à la fin, le 30 septembre, il y a moitié qui pas exécuté, mais moitié qui exécuté, ou a dit c'est des bagailles qui pas liées à pays. C'est des bagailles qui presque qui pas utile en rien sous croissance là. Donc, ou qu'on dit ah, mon cher gade moun sa yo qui te pense que t'as besoin de bala yo pas joindre ni et moun yo vin comme si excité, yo vin frustré et puis yo vin dit que bon, yo fâché pays ça pas utile rien. Et là, ça a une grosse colère qui a monté. Moi, je pense que malgré la colère, il faut nous arriver à protéger ça nous gagne en commun avec ce pays. Mm-hmm. Et pas un sacrifice qui n'est pas trop grand, qui trop grand pour que nous-mêmes nous pas arriver si c'est nous arriver dans des départ ordonné et que nous avons des points qu'on ne peut pas prévoir, que nous deal, mais qui permet justement que nous avons moins de casse, nous avons moins de victimes. Moi-même, moi pour ça. Mm-hmm. Mais l'essentiel, moi, dit que. Président li doué parti parce que président Yvon Côté que président Jovenel non seulement à cause de manque de confiance li perd du monde qui autour li vinn rivé li perd du collaborateur et par attitude li vinn perdu confiance au moins 90 à 95% population et là où Yvon Côté pas gain confiance pas gain rien ou quoi encore. Mm-hmm. Et le pas gain confiance pour moi n'importe qui ça qui pour le fait là il va éclater. C'est-à-dire que président Yvon Côté côté parole li ou qu'a dit dès qu'il ouvre la bouche c'est un mensonge. Donc moi penser que président Yvon Côté il pas gagné crédibilité ça, il faut que l'aller mais il faut ce départ pour moi ordonner parce que nous voulons gain moins casse non départ. Parce que le cas arrive en côté que même acteur qui a parlé, il n'a pas maîtrisé tout ça, il a maîtrisé. Mais sénateur, la tortue, en fait, m'a suivi. Est-ce que dans l'opposition, nous pas à prophète 2004 dans le sens côté que je dis, on parle de un départ ordonné, certes, mais nous t'es en 2004, une bataille qui t'a gagné. Il dit, quel que soit Jean Saïe, il faut que c'est Aristide même qui parle là. Mm-hmm. Et au fait, il n'est pas là, nous perdons du contrôle. C'est vrai que Marco se pose des questions dans le même sens. Hein? Est-ce que Jodi ou même, ou pas senti que, dans Jean, ou remet Haïti, hein? Jovenel tout, il remet Haïti. Mais mission que le gagne, il doit faillir à mission à l'échouer, dans la salle de pour le faire. Maintenant, ou pas penser que, ça que pral fait pour Haïtien, puisque ce n'est pas un nouveau gouvernement, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, selon vous-même, Jean-Président dit qu'il a sauvé le pays. Mais si ou remè Haïti, président Jovenel remè Haïti, pour qui ça? Au lieu, c'est président pour parti, pour le parler même, nous pas manifester, montrer population que nous voulons collaborer avec Jovenel Moïse qui sont Haïtiens. Parce que nous connaissons très clairement que nous prenons perdre du contrôle de la pays devant. Mm. Et si Blanc vient prendre d'ailleurs, le président Jovenel Moïse doit dire tout, au lieu c'est nous, plutôt c'est Blanc qui fait affaire pâle. Quand nous arrivons côté, nous faisons bataille finalement 2004, même Jacques 2004, pas de résultat. Pour qui ça? Si nous aimons le pays en vrai, parce que nous aimons, Jovenel aimons tout. Mais nous, chaque, il y a un problème par nous. Parce que l'un nous dit pour Jovenel Moïse aller. Il y a deux monde, mais comment ils comprennent? Ils comprennent que Jovenel Moïse a échoué. Mais ils comprennent tout. Vous, qui a bataille dans l'opposition, vous n'avez pas la solution. Parce que, ça ne veut pas dire parce que Jovenel a échoué, comme si m'dad une solution, non, mais nous, c'est de la potelle. Donc, ils ont tous des problèmes, pas nous. Pour qui ça? Comme nous, tous sont bonnes, nous qui chargent des problèmes, et dans l'opposition, le président Jovenel Moïse, nous ne faisons pas chita, j'en ai dit, hein,
Mais Chita n'a pas une question exclusion, comme si pour nous dire faut que Jovenel pas là pour payer ou bien changer. Pour qui ça ne pas Chita ensemble? Pour qui ça Jovenel obligé pas qu'à sous table comme si faut aller là-li? Mamzou, moi pense que ou aimait équipe football Haïti, pas vrai? Oui, mais nous, il n'y a pas qu'à jouer pour lui. Moi, je pensais que Jovenel, je dis le pari à Haïti, mais il n'y a pas qu'à gérer le pays. Et je n'ai pas géré le pays, nous constater qu'il n'y a pas qu'à gérer. Et moi, je pensais que, justement, parce que nous aimons Haïti, et nous pensons que le compatriote qui a un problème qui posait, une façon pour nous chercher à résoudre lui. Pour nous, entre nous. Entre nous. Mais résoudre. Le nom, si l'on dit Jovenel n'est pas ordonné, c'est donner de lui. Parce que il n'y a pas que ça qui vient devant là. Alors, il était qu'à essayer ouais, lui, parce que Jovenel connaît qui problème il gagne. Il connaît le problème économique qu'il gagne. Il connaît que, eh bien, la situation que il a, il n'y a pas sorti de carrière économique là. Il n'y a pas recevoir aide internationale, il y a un déficit, il y a un problème gaz, et il rentre dans des contrats côté que il continue à payer alors que c'est un dollar pour le payer. Donc il n'y a pas de cobre, il n'y a pas de payer professeur, il n'y a pas de payer juge, il n'y a pas de payer moins de monde, même qui octobre, il n'y a pas de payer. Donc, là où il faut faire constat d'échec, si l'entraîneur a remarqué sous terrain, il y a 12 joueurs, mais il y a un joueur qui frappe dans le pied, ou pas qu'à forcer le joueur. Ou pas qu'à force, parce que l'équipe l'a perdu. Sous Kembe Jovenel, Haïti a perdu. Qu'on y a, la solution, est-ce que c'est l'opposition qui gagne? Moi, pas quoi que gagne au monde qui gagne, c'est l'équipe qui a solution pour payer. Mais ça que je pense. Moi, pense que Jodia, nous avons un pays qui gagne des problèmes structurels. Qui gagne des problèmes légaux, dans le cadre légal, qui gagne des problèmes de répartition au niveau économique. Là. Jodia, nous avons dit que, en nous chita entre nous, pour nous regarder les choses, l'autre jour, et même si nous regardons l'autre jour, puis comme nous pensons qu'il y a une solution, non? Son leadership collectif qui pourra appliquer. Parce que lorsqu'on dans un pays, côté qui a tant de problèmes, tant de divisions, tant de partis politiques, il faut que ou d'accord que gouvernance là son gouvernance partagée. Faut qu'on gouvernance partagée pour gagner une gouvernance apaisée. On prend l'exemple de René Préval. René Préval, m'pa croire que il était plus intelligent que n'importe qui l'autre monde qui était là, mais René Préval a accepté le principe de leadership collectif. Li monté, li relé toute l'autre parti politique, il forme un gouvernement et deux gouvernements, li gros majorité. Et que, là, après 2 ans, li vin gen problème, li essaye monter en l'autre parti qui rassemblait presque tout le monde qui était avec pour l'arrivée vers 5 ans là. Moi, je crois que dans le partage de la gouvernance, il a eu une gouvernance apaisée. Mais maintenant, sous garde de René Préval, au niveau de politique publique, au niveau de projet, je ne pas crois que. C'est plus l'y fait par son lot. Mais ou pas penser que le président Jovenel Moïse peut-être sur route là, par exemple dans le discours là, il dit pas en fait pas scout. Ça non. Veut dire, non, t'as le, ça veut dire qu'il y a un pile monde qui trouvait que c'est de l'ingratitude puisque PHTK mettait là et en fait, Jean-Noël Lapon arrêté là. Dans un moment, on a rappelé qu'en 2004, dans le dernier moment, le président Aristide était fini, ouais, vrai, le pralé. C'est presque même bagaille que le président Jovenel Moïse a fait là. C'est comme s'il sentit le pralé. Et gon cassure qui a fait, et s'il fait de manière brutale, qui peut être un petit Jean Cap mal, très mal fini pour lui avec PHTK, qu'on est que monsieur a pon arrêté, donc c'est qu'on y a des décisions, li wè yo. Et là où est le président ou pral tombe comme ça, Aristide t'a fait dans le même moment, li l'ouvre même à l'opposition. Mais ça qui paraît un petit Jean gênant, c'est parce que en pile monde dans la société, hein, jodi un gros problème leader. Le regard de l'opposition, yo et Jovenel Moïse, vrai, tout le monde constate le pape glanye. Mais puis gros problème non, il y a gardé pour ouais si on t'a passé j'ai une opposition qui moun ki parler passer moun yo pas ouais. Qu'on y a tellement comme si chaque moun gon bataille k'a fait, gon leadership qui manque dégagé et gen moun qui manque confiance dans ça k'a fait là. Qu'on y a nous même qui dans opposition, faut t'a vraiment très intelligent pour nous montrer que par exemple vous se dit c'est pas un gouvernement d'union nationale d'ailleurs, yo pas capable parler de ça dans moment sans pas un dialogue, mais selon vous-même, je venais là les demain. Dans combien de temps
pral gon nouveau gouvernement nan moun k ap vin la d'ailleurs pral gen transition, est-ce que selon vous même nous pas d'accord gen nouveau gouvernement? Est-ce que n'a fond dialogue k'ap duré 3 ou bien jusqu'à 6 mois? Est-ce que Jean son GPM la pente dit on bagay que m'd'accord que m'pense que ap d'accord avec que l'te dit autorité en Haïti ou doit comprendre que yo c'est des autorités mais k'ap gen ki nan pays pauvre côté que gon politique d'austérité pour gagote pas continuer faite soit au niveau primature soit dans ministériel. Est-ce que on conseil de décision n'a prend pour accompagner par exemple si gen 3 mois nous dit jusqu'à janvier gon dialogue ministre qui là comment ça va le fait? Est-ce que on nèg par exemple ka mette 100 nèg dans cabinet ou bien 70 moun dans cabinet et que le capé yo Jean vle? Est-ce que politique d'austérité pendant dialogue ça a fait Jean te dit on n'est pas ordonné? Est-ce que selon vous même pas ta douane de mesures qui prend pour de nèg qui praler là pas vide tirer scope qui rete hein? Et puis l'autre moun kap vini après parce que peu importe Jean ça est a bien l'autre gouvernement kap vini et puis finalement nous wèk blanc crasé pas grand rien quoi. Très bien. Gon bagay pour nous éclaircir. Mon le kon di et si ou e Jovenel ale pa gen moun yo pa wè moun nan opposition et ou yo wè moun ki pou remplacer la non. Dès que on président ale ou entre non transition. Et transition le plus souvent c'est des moun neutre de président de la Cour de cassation. Parfois n'importe qui moun tout. Non. On président. Avant de gagner un cousin qui était débarqué là à venir. Non, il n'est pas de président. Je parle du président. Ah, d'accord. Le premier mais ministre. Mais quand même, vous avez un cousin qui est débarqué là. Oui. Je viens, pas contre les sorties. Débarqué. Écoutez. Puis, ou même pas contre les sorties, mais c'est dans le pays alté. Non, là, dit. Non, mais attendez. Mode politique, là, je dis, si je dis, la torture, oui, yes. Non, bon, nous on va bien. Le où rivé que vous gagnez différentes générations qui étaient là, ou gagnez ou même pas qu'on a ici, mais pas ça que fait le baril trois ici. L'essentiel, moi-même, moi, je si. Président Ali là, c'est en transition qu'on parle gain. Et monde qui parle faire transition, sont monde qui pour font dialogue et organiser des élections. Monde qui parle venir après, c'est peuple qu'on choisit. Par exemple, Jovenel Moïse, avant que le devine candidat, il a planté banane. Moi, je suis que si Michel Martelly t'a parlé, ou pas dit, ou pas pensé, c'est Jovenel Moïse qui t'a fini. Parce que le ça lui-même, il part dans la politique. Donc je dis à si Jovenel Moïse pour aller. Il est ingénieur. Hein, si Jovenel Moïse pour aller, ça qui vini, c'est des mouns qui t'a supposé pas fond en politique, mais qui pourraient organiser en transition pour que vous arrivez à de véritables élections. Et leader opposition qui là, sont mouns qui pour aller dans l'élection. Pour qu'à voter. C'est là où elle tire légitimité. Les papes tirer légitimité de ma pour remplacer Jovenel. À moi ce qu'on est goûté à fou pour que alors moi même moi leader dans l'opposition et puis pour que Jovenel aller et puis moi même passer pas remplacer non m'pas qu'à remplacer et m'pas besoin remplacer si mon légitimité m'a tiré le deux élections m'a tiré le deux populations monde qui pour remplacer là c'est monde qui pour remettre institution sous pied et puis organiser des élections donc et puis après Jovenel Moïse ou pas joindre au monde qui va venir qui va le moi gros programme économique. Mon gros programme social. Dans une transition, on remet les institutions sur pied, ou qu'a font dialogue et organiser les élections. Okay. Maintenant, c'est moun qui a vini, qui vont politique publique en matière d'économie, qui a les mêmes visées à gouverner mieux que ça que t'es là avant. Mais la grande différence, c'est entre le gouvernement de transition et un gouvernement légitime qui est élu, qui okay. Vont mandat. Mm-hmm. Non, dis-ce qu'au président, il dit que les papes. Fait bac devant responsabilité peuple en Bali. En plus, le monde comprend que je voulais dire le pape démissionner. Et le président a persisté sur ça tout à l'heure que nous tous connaissons. Le président dit le pape fait type à scout. Nous entendons pile l'autre monde qui proche pouvoir dans le PHTK, surtout qui a une interprétation. Donc, j'ai compris. Déclaration, ça le fait, ça vous arrange ou comment comprenez-vous le pape fait type à scout? Écoute, moi-même, moi t'ai parlé, écoutez, première année, moi-même, j'ai un monde qui fait campagne avec le président. Et moi t'ai dit. S'il pas qu'à lui-même connaît que c'est lui le président, c'est lui qui a gouverné le pays et que lui doit comporter l'antenne que tel, moi je pense qu'il parle de grandes difficultés. Je dis à moi parce que le président, lui rive au côté, lui n'a pas gouverné le pays et il rive dans une situation extrêmement difficile. Il rive dans une situation presque de non-retour. Maintenant, que le président parlait
de Pascoute. Ce n'est pas avec l'opposition de la Valve Pascoute. Et dans le Pascoute, peut-être avec Aliel. Uh-huh. Moi, je suis dans l'opposition. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Parce que de toute façon, nous pas voulu Pascoute, nous voulu des élections. Donc, le président, s'il a parlé avec Aliel qui mène les pays à là, bon, de toute façon, ça ne nous concerne pas. Cependant, moi, je pense que Jodia, le président doit rendre compte que côté le rivé, dans la situation que le rivé là, et là encore, si vous regardez le discours président, après la PC jouer sur le temps. La PC jouer sur le temps pour faire encore durer le temps pour le comment. Et écoutez, les cas passent temps, même s'il ne va pas remettre rien. Mm-hmm. Mais quoi que nous-mêmes, c'est justement ça qui est important. Nous avons un pays. Et un pays qui gagne environ 12 millions de monde là-dedans. Nous n'avons pas qu'un objectif de rester au pouvoir pour le pouvoir. Objectif qui doit être, c'est rester au pouvoir pour l'amélioration de la population, pour amélioration des conditions ville. Et je dis à Sénat, malheureusement, toute décision que le président prend, c'est l'almenel. L'imenel non situation de non-retour. Parce que je dis à question économique. Gardez indice pays. C'est la première fois que nous gagnons en 2012-2013, nous avons un budget de 3 500 millions de dollars. Je dis à budget, nous pas 1 milliard 500 millions, non? C'est-à-dire notre budget régressé de 1,5 fois. Et président, quand ça dès qu'on budget comme ça, c'est payé au cas payé mounio seulement. Il n'y a pas de confiance. Ou arrivez dans un budget côté que ou pas qu'à aucun politique publique que ou qu'à presque mettre en pratique. Mm-hmm. Président, t'es gagné parce que deux projets phares, barrage Marion dans le nord-est et la route et pour aller à Port-de-Paix. Mais ben, ils sont campés. Donc, l'or était au pouvoir. Est-ce que c'est pour payer les employés, pour qu'à nommer moun? Et puis pendant ce temps, nous continuons à progresser. Parce que ça me peut là, c'est que Haïti était presque dans le 9e pays, alors, par et dans le pays qui pauvre, qui a un budget comme ça. Je dis à, si des côtes là pour aller, nous arrivons au budget d'un milliard de dollars. Et ça veut dire que là, ça nous régresser de 3,5 fois moins ce que j'ai noté en 2012. Et président, comme ça, président, qu'on est sous pente que l'il y a là, sous pente que l'il y a, avec déficit de confiance, il n'y a pas qu'à résoudre le problème Gaza, il n'y a pas qu'à rentrer, pas qu'à confiance, et que c'est là le voilé, et que l'a entraîné des mounavelles qui, je dis, a employé sous d'autres thèses pour dire que on nous soutenait, président, on nous kebel, alors que volontairement, il connaît peut-être priorité. C'est un dernier coup que vous voulez faire parce que pas aucun moyen pour que le président les sorti de sa lia au niveau économique et au niveau politique. Pas besoin de parler. Ou dans des deux présidents est invité, même des gens de la société civile, même mon idée qui pas venu. Donc, moi, je pense que si le président dit pas aucun sacrifice qui est trop grand pour le faire, c'est justement présenter sa démission. Ok. Et sénateur, comment vous battez fait pour question contre lutter contre corruption? Un auditeur m'a profité saluer Samuel Régulus. Donc, il y a plusieurs autres auditeurs qui écrit qui t'a dit pour m'a essayé Mando. Étant donné que vous battez fait contre la corruption, il faut que justice là renforcée pour que bataille ça continue faite. Selon vous-même, est-ce que vous avez des propositions pour que le départ ordonné sa fête pour la justice renforcée pour le cas questionner de monde qui gagne de bien mal acquis, de monde qui était dans la corruption, de monde qui en fait jodi impliqué soit dans le procès Petro-Caribé, soit dans la question des malogues ou travail sous lit. Est-ce que la justice là, comment ou est que nouvelle équipe qui sans doute pral venir, les mêmes pral capable de travailler pour chasser médiocrité qui gagne dans l'État et permettre que justice en triomphe et puis moun qui volo, yo paye, yo remet la République, ça a été pris. Ok. Premier bagage que je pense dans la question de justice là, parce que, ouais, question se repose, il est extrêmement important parce que depuis 1994, il a parlé de réforme judiciaire en d'abéir. États-Unis, pour compte li, presque dépensé même 200 millions de dollars dans affaires réforme judiciaire. Mm-hmm. Et ouais, jusqu'à qu'il y ait une loi, quelques lois sur l'école de la magistrature, la loi sur le CSPJ, c'est en 2007.
Je dis à moi, parce qu'il y a de très bons juges en dans ce système-là qui camènent nos enquêtes et qui ont fait travail. Malheureusement, moi, Kabaou, et peut-être que vous avez l'histoire pour nous, il y a au moins 25 juges que vous ne pouvez pas renouveler. Que le président a juste choisi pour ne pas renouveler. Et moi, je pense que le premier bagage qui vous fait avec un président eh bien, qui allait et un autre président qui vient, c'est renouveler juge qui valable, qui te travaille sur des enquêtes, qui te bat résultat. Un, mettez juste ça sous dossier. Deux, et troisièmement, dans le changement que vous devez faire, le changement constitutionnel, yo, et surtout dans CSPJA, c'est permettre que juge, eh bien, le nommé, yo, à travers de CSPJA. Il retirer mes mises que le président a gagné, puisque la Constitution n'est pas assemblée, l'Assemblée n'est pas jamais faite, c'est le président qui a nommé, ou le baillot et dépendance complet. Et moi, assure que si c'est jeudi, même si le CSPJ a des problèmes, même si il y a des réformes pour nous faire un dal, parce que toute institution qu'on mette sous pied, ou qu'on vient à la fin, il y a des réformes, mais le baillot et dépendance dans la nomination, moi, je pense que c'est pour vraiment. Un véritable glas de réforme de justice. Oui, par qui va le faire demain, est extrêmement important. Et personne ne peut pas contre ça qui va le passer demain. Et ça fait que je vais retourner dans la question qui va actualité à Yodia, question départ président. Parce que je ne vais pas tomber même côté encore. Et c'est sûr que Valguin des questions qu'il va poser sous lui. Mais bon, mandat sénateur, est-ce que dans le cadre des départ donné qui va parler là, on va parler d'un départ général, c'est-à-dire que exécutif, parlement, puisque chambre députée a censé arriver dans fin mandat, nous allons seulement arrêter deux tiers ou bien un tiers dans le Sénat. La vie dysfonctionnelle, non pas qu'à fonctionner. Est-ce que nous pourrons répéter même bagaille qui était faite en 2016 là? L'intérêt était un tiers dans le Sénat, malgré ça, nous quittons un tiers là, nous faisons élection. Il dit, il y a mon mandat 2020, 2022, 2023, président en côté. Est-ce que nous-mêmes, tout dans le niveau parlement, nous n'avons pas de responsabilité, pas nous? Très bien. Est-ce que ça a tout pas obligé pousser nous pour nous faire un dialogue? Et l'opposition, et le Parlement, et l'exécutif, pour nous tenir compte des faiblesses chaque institution. Ça y est, puisque le président, effectivement, tout le monde parle pas bruit, le président a échoué. Mais le Parlement a aussi échoué. Moi, et c'est un pays comme si tout le monde net échoué. Moi, je pense, Marco, et sous point de vue ça, où il y a un départ ordonné pour que au cas vini ou qu'a dit ou qu'a ouvert porte là pour faire vraiment dialogue pour qu'on garde des changements constitutionnels, là ça a concerné exécutif là et parlement. Parce que moi je crois que avec ça qu'on gagne après, l'on parler de dialogue, l'on parler de changement constitutionnel, l'on parler de procès, moi pense qu'il faut tout le monde accepter mettre mandat sur table là et retirer quoi yo. Parce que gagner de transition en Haïti, qu'on voit Pierre-Raymond Dumas écrit, cette transition qui n'en finit pas. C'est des transitions que le gouvernement a fait élection pour l'autre venir. Moi, je pense que ça a été un véritable, ça nous pas le faire, faut une véritable transition. Et dans une véritable transition, il faut tout le monde dépouiller. C'est ma position. Il faut tout le monde dépouiller au côté que. Bon, transition, côté que, nous chita pour nous parler. Pays pour nous dire que mais comment nous elle et le samba besoin ni des députés sénateurs et qui là pour dire que gagne monde qui dit c'est le samba d'accord pour que nous chita nous parler entre nous. Deuxièmement, pour que nous garder la justice là et profiter remettre dossier à de véritables juges qui ca commencer mener dossier pendant que dans réforme constitutionnelle là nous bail justice là on véritable plus dans l'indépendance pour que nous ayons les juges de l'équipe. Et troisièmement, nous baillons population à travers des élections
possibilité pour le mettre de nouveaux dirigeants qui vont appliquer cette sortie de dialogue. Moi-même, moi pense que si nous voulons aborder une véritable transition, nous pas qu'à Kébé, eh bien, Mgado, ni moun dans le Parlement, ni moun dans l'exécutif. D'ailleurs, ouais, moi-même, moi rejoindre et à signer alternative là, et en alternative là, nous déjà prévoit instance Cabrien, c'est pas des instances de sénateurs et de députés. Moi, pense que, jodia, si nous voulons faire une véritable transition, qui sont transitions pour que nous fassions l'autre république, faut transition ça, nous chita parler, nous garder question, et après nous bailler peuple la opportunité, et le monde qui va l'appliquer. Ok, mais sénateur, qui j'en pral fait pour que, même j'en se dit là, Pierre-Raymond Dumas écrit, une transition qui n'en finit pas, pour que même nous-mêmes qui pral participer dans la transition ça, soit pendant 2 ans, 3 ans ou 1 an, nous pas. J'en se dit, bye peuple, la possibilité pour choisir moun qui pral vinyo, mais nous pas tout font travail, nous mettez là, pour peuple, c'est même nous, même encore, pral renouveler, parce que, en Haïti, c'est, comme d'habitude, c'est comme ça nous fait, comme si nous bye peuple, on façon, nous fait, nous bien chita, et puis c'est même nous, même quand dans transition, hein, qui pral l'élection après, pour peuple vienne voter nous. Est-ce que, n'a dit peuple, clairement, pral gen des balises, moun kam dans transition ou pa gen pour y participer dans l'élection de manière à ce que pour c'est pas continuité ou pral fait. Moi pense que et c'est peut-être ça faut au moun gros côté rivé font choix et en transition doit le plus possible neutre. Parce que si transition pas neutre, il pral essayer influencer l'élection. Et si je dis nous gon transition moi d'accord faut mettre des balises. Faut mettre des balises parce que pas oublier son l'autre façon de voir. Son l'autre mentalité. Et me pensais que l'important pour que moun yo comprenne, ou ka aide pays ou, son pas besoin d'un président de la République, son pas besoin d'un ministre, premier ministre. Au monde qui arrive, mette pays à organiser un dialogue, qui fait des changements constitutionnels, qui mette pays à sous les rails, pour moi, il pas même besoin d'un président. L'abgayen, tout estime aux populations. Je dis à vous connaissez nous profiter présenter condoléances à l'ambassade de France, c'est la mort de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac est décédé. Même temps il a parlé de Jacques Chirac, je dis que c'est quelqu'un qui a eu l'estime de la France. C'est vrai qu'il était président 2 fois, le mandat de 7 ans, le mandat de 5 ans. Mais il était qu'il doit. Simone Veil, pas de jambes président. Mais c'est quelqu'un qui a eu l'estime de la France. Moi, je pensais que je dis à. Gen pile moun ki ka gen l'estime du pays si on réalise des bagailles fondamentales qui permettent que le pays a pour l'autre cap. Et c'est dans ce sens ça que je pense que il faut une véritable transition. Il ne faut pas ce que je peux appeler une transition électorale. Il faut une véritable transition, Ngadou, refondatrice de cette nation, qui permette que, en plus beau, l'aime nous garder. Si je dis à la campagne, nous garder. Nous dit économie à nous, un problème qui est là dedans. Qu'une question de répartition de richesse. Qu'une question de répartition de crédit. Eh bien, il faut nous garder comment pays a, eh bien, nous camotel, pour que dans l'économie, eh bien, nous allons les laisser pour compte. Justement, nous allons les améliorer. Nous améliorer. Ou gagner au pays, côté, tout le monde a accès à crédit. Deuxièmement, au niveau politique, moins penser que faut nous un système non seulement qui rive qui moins coûteux mais avec expérience que nous fait là nous ca ouais que je dis nous ca regarder régime politique là toujours en conservant les valeurs démocratiques mais nous garder plusieurs propositions que vous fait là par exemple de changement de régime politique dans ça que nous là qui ca permettre que les pays adaptés et nous mêmes nous puis arriver justement à créer richesse, à évoluer, parce que tout soit météo, que ce soit le régime politique, que ce soit les institutions, son seul objectif, oui, c'est créer de la richesse pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Toute politique doit conduire à l'amélioration de vie de la population. Et toute politique, yo doit garder qui régime que vous gagnez, qui institution que vous gagnez, pour vous permettre d'arriver là avec une justice sociale. Donc, dans ce sens-là, moi pensais que Jodia, dans ce sens-là, l'extrêmement important que
nous-mêmes, nous garder transition avec toutes les balises qu'il faut. Mais pour que ce soit une transition réussie, ce n'est pas une transition d'organisation d'élections, mais une transition de garder certains problèmes fondamentaux. De garde fou. De mettre justement certains garde fou et permettre que nous repartions pour mieux faire. Parce que nous, nos systèmes que nous avons gardé à chaque fois, les gens qui ont plein pour lire, qui disent que l'élection m'a changé, le rivet. Ou pas quoi c'est au pays patriote passé mon nom, peut-être les patriotes, mais nous, elle l'a péchoué. Et bien, à partir de ce moment, faut qu'on chit attendait. Et moi, je pense que le non-pays, côté que au service public et que on constate d'échec, j'en nous dis, et j'en nous elle là, faut qu'à tirer la révérence. Ok. Donc, nous, est semaine à la Port-au-Prince, secouée en pile ville, province. Demain, comment ça va le passer? Est-ce que pays pour le font lever, il faut parler population de ça qui a passé demain. Est-ce que peut-être après demain, Jean-Baptiste Bralien bon. Demain, son appel national à manifestation. Et moi, je pense que, n'a pas dit président Bagay, pas boucher les oreilles, pas fermer les gel. Pas penser que l'a gardé en manifestation et puis après, l'a continué vivre même gens que le pays a eu là. Moi, je pense que je dis à président Doué, ouvrez oreilles, ouvrez Gilles. Parce que ça qui va arriver, je dis à, c'est un signe que vous dit président, et que ça n'est assez. Abraham dit c'est assez. Il faut partir. Parce que. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui levé dans le matin, aller, parce que vous avez dit qu'il faut pas aller ordonner. Même le temps dit loué, mais. Le président a dit que. C'est pour le ils sont au monde justement qui est responsable. Oui. Moi, je pense que s'il peut aller, eh bien, gagner vis-à-vis qui peut parler avec elle, qui peut ordonner des paroles. S'il voulait faire un désordre, que lui-même lui levé sa international à l'entente pour le faire, la preuve que des autres, ça va pas bouler, et ceci longtemps dans l'avenir. Moi, je pense que je dis à Wemwal Don Bagay bien, ou qu'on lance manifestation, et puis manifestation lancée à. Ou qu'on a cherché pour voir qui secteur qui a participé, qui ça qui a fait. Ou aujourd'hui, là, si nous étions dans le Parlement, nous étions pile leader, nous sortions du Parlement, nous disons, monsieur, nous avons fait manifestation, nous avons monté Pétionville. Ou qu'on est avant d'arriver à Pétionville, nous avons gagné 15-20 000 personnes. Bon, c'est juste moi, nous avons senti, par contre, ça fait ça. Nous avons mobilisé. Nous avons mobilisé. Il y a toutes les zones 5 heures là, moi, Delma, Gonaïve. Il y a une inondation, nous avons dans la rue à 7 heures. Ah, ok, mais non, mais oui, là, Gonaïve. Oui, il y a une inondation, mais il y a non, c'est les travaux publics qui arrivent. Monsieur Kembe, équipement, il n'y a pas de nettoyer le canal. Malgré nous, des ministres travaux publics, des directeurs travaux publics, nettoyer le canal, parce que vous connaissez l'autre, vous venez avec Alluvio. Monsieur Bafeo? Oui, oui, monsieur Ali. Non, Jovenel Dédoué, quand vous voyez monsieur Ali, pour éviter qu'on aille prendre. Pour le moment, il est le seul responsable de sa crivée là, parce qu'il a tous les équipements en main et il ne peut pas nettoyer le canal. Il a fait d'autres travaux. Qui travaux privés, ils n'ont pas voulu faire ça pour y'a faire. Cependant, moi je pense que, pour me retourner à la question de maire, question de maire, moi je pense que tout le monde a pris la route. À qui le? On a commencé. Bon côté pour nous commencer, ou bien tout le monde a commencé dans le bloc. Tout le monde dans le bloc. Tout le monde dans le bloc. Et moi je crois que, il est extrêmement important que le président lance un appel, là pour l'ouvrir pour la pièce pour nous rentrer dans la caille. Appel au dialogue qu'il a placé, il est ouvert pour la porte la monde pas entrer dans la caille. Non, mon premier ministre. Hein? Il a fait l'autre gouvernement. Et ça le dit à l'Union nationale? Oui, je sais. Mais comment il a fait l'Union nationale si il n'est pas venu? Non. C'est lui qui dit, oui. Il va dire qu'il a fait un gouvernement Jovenel, il a dit qu'il a gouvernement d'Union nationale. Oui. Parce que je dis à moi, l'explique-moi. Il va dire ça déjà. Il a annoncé déjà. Hein? Il a annoncé là, après ça, tout le monde. Il a dit de consensus avant. Qu'on y a dit d'Union nationale. Parce que moi, le président vient faire. L'un des sous-présidents Lapin, sous PM Lapin, comment le dire il est avant? C'est de consensus. Moi, après ça, il vient faire améliorer pas mal. Oui, peut-être qu'il va faire un gouvernement amélioré. C'est ce cas là. Mais qu'on y a là, sous garde déjà président, il va dire l'Union nationale, le monde va venir jouer. Il va garder la rue après le monde demande l'aller. Manifestation de maire, moi, je crois que le président dit dans le discours là que le bas violent. Et moi, je pense que le président, violence que l'utilise, qui fait Mounza ou de aujourd'hui, c'est violence de la corruption, violence de la saline,
violence, de l'insécurité. Et je dis, moi, parce que le président, c'est seul monde qui amène qui vient une solution pour éviter la violence. L'homme pour constater ça qui est dans la rue et que l'accepter ou mettre démissionne.